On est parti, let's go. Alors, ici, la batterie est bien sûr on, le ground power est allumé, les IRS, je les ai faits, le yob dumper, partie du yob dumper sur on. Emergency light sont armés, on est d'accord. Les windows heat, on vérifie en haut, ils sont bien allumés. Les probes heat sont allumés, l'air conditionné, on l'a vu, l'air conditionné, c'est ici. Hop. Alors, je vais juste éteindre ça. Ça doit être les packs. Voilà. Ça, les hydrauliques pompes, je vais les mettre en route. Le QNH Nazi 1007 left. Pourquoi tu voles pas en 320? Non. En 320, ça me sert à rien. Je vole majoritairement sur Boeing. Remember McDouglas. Autobreak. On a dit RTO, je suis d'accord. Les speed break down detect, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Parking brake set, start lever, cut off. Le moteur 1 et 2 sont bien éteints, je suis d'accord. Stabilisateur entry normal, rudder free and zero. Le rudder, on est bien d'accord qu'on est sur free and zero. Oui, c'est parfait. Et le FMC est prêt. Le fuel cross-checked is closed. Oui. FMC lui a dit trust. C'est bon. Les speeds. Alors, je vais juste régler mon trim. Que j'avais oublié de régler. Il est à 4,66. Voilà. 4,71. C'est bien. Speed c'est bon, stabilisateur c'est bon, et bien on est parfait. Je vais commencer à moi donner mes instructions. Je vais allumer la PU pendant ce temps. Alors hop, je vais allumer la PU. Voilà, et je vais répondre à vos questions. C'est quoi le probe hit? Ah oula, alors on vient de m'informer que ça a coupé, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, de retour, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ça a coupé en plein direct. Je pense que c'est le débit qui doit être merdique ce soir. Je suis sincèrement désolé. Alors, j'en étais où? L'APU. Alors, oui, l'APU. Alors, l'APU. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous voyez plus les images. Alors, c'est. Alors, ça, c'est un peu dommage que vous ne le voyez plus, les images. Vous voyez plus les images. Pourtant, il est toujours en diffusion en direct. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, voilà, je vais essayer de résoudre le problème technique. Ça y est, diffusion excellente. Voilà, de retour. Voilà, ça y est. Ok, c'est bon. Donc, j'en étais à l'électricité. Donc, l'APU, on est d'accord. L'APU est allumée. Je vais pouvoir me déconnecter du ground. Hop. J'enlève le ground. C'est parfait. Et... donc on est parfaitement d'accord. Ok, on est d'accord. Eh bien, moi je vais pouvoir donner mes intentions. The go traffic speed 1787 pushing back stand alpha 10 at the go airport. Ok, je vais allumer tout ce qui est lumière. Ça, on est d'accord. Eh bien, on va commencer le prochain pack. Ok, let's go. On part avec 3 minutes de retard, ce qui est pas énorme non plus. Ah oui, je dois être stationné. Alors, hop.
Voilà, le premier ACARS vous est mis en ligne, le deuxième ACARS est en ligne, donc ça y est, vous pouvez commencer à voir donc les deux vols. C'est Taco, tu peux enlever le mode ralenti, s'il te plaît, c'est pas vrai pour te parler. Ouais, je sais, alors le mode ralenti, je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais il me semble que... Alors attends, c'est dans la modification, chat ralenti, voilà. Ah, voilà, je viens de l'enlever à l'instant, donc ça y est, on a commencé à repousser. Alors, il y a un autre avion là-bas, je sais pas ce que c'est comme avion, Air Traffic, Air France 21 Kilo Lima. Hop, je vais m'arrêter ici, je vais commencer à démarrer mes moteurs. Je vais activer mes cutoff. Je suis parfait et je suis d'accord. Ok, push start, checklist, électricité, c'est bon. Je vais passer sur mes génératrices, les 1 et 2, génératrice 1 et 2, je vais attendre que les moteurs démarrent. J'ai dit que je monterais au niveau 3, 3, 0 puisqu'on est niveau pair. Je rappelle qu'il y a des niveaux en France. Pair, impair. T'es pilote en vrai? Non, je suis pas pilote en vrai, Remember McDouglas. Non, 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 non. Non, non. Non, non. C'est uniquement par passion. Voilà, mes moteurs ont démarré, on les met sur compte. Je vais éteindre la PU, voilà, ça y est, j'en ai plus besoin. Je vais vérifier les passagers, les passengers sont sign on. Passengers sign is on. Checked. On est d'accord, les hydrauliques, je vais vérifier ça. Mes hydrauliques sont bien activées. Je vais mettre en route mes packs. Je vais éteindre les récipients fan. Voilà, ça je l'éteins. J'en ai effectivement plus besoin. On est d'accord. Air conditionné, les packs sur autoflight, on est d'accord. Start level ident, on est d'accord. Grand crew clearance received, APU as required, et flaps, on va se mettre sur flaps 5. Voilà, c'est checked, et c'est 7. On est d'accord. On va activer le troisième ACARS, enfin le dernier, ça y est, l'ACARS numéro 3 est activé, c'est parfait. Savais-tu que le heading de la piste dans le secteur de heading, c'est la procédure Boeing, on démarre pas les deux les moteurs en même temps? Oui, bah écoute, moi je démarre les deux moteurs, mais ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais, hein. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais, ne t'inquiète donc pas. Engine start switch continue, les flight control, on va les faire, full left, neutral. Full down, neutral, full up, neutral, full right, neutral, checked. Transpondeur TARA. On est activé. Vital data 7, les flaps green light, on est d'accord, on est parfait et je vais pouvoir allumer mes runway turn off, ils sont déjà allumés. C'est parfait, donc c'est 08 left via Romeo Tango Uniform, sorry. Donc on a un avion là-bas qui est déjà parti, mais il n'est pas parti dans le bon sens, le Air France 688, c'est pas le bon sens. C'est pas le bon sens parce que les vents actuellement sont de l'ordre du 210 degrés à 12 nœuds. Ah, quoi que, attendez. Non, 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 c'est... Attendez, oui, c'est moi qui suis en train de me gourer de piste, là. C'est pas la 08 en service, c'est la 26. Ça a changé entre-temps. C'est la 26 entre-temps. Alors... 26 droite. Alors... Alors... 26 droite. Là, je faisais n'importe quoi, ce qui était normal. Je viens de m'en rendre compte à l'instant. Alors, 26 droite, et eh bien on va prendre la première sortie gauche. C'est une blague. T'as quoi, elle est éclatée comme tes atterrissages? Oui, bah alors attends. Toi, hop, bloqué, voilà. Shift N2 pour voir tes flaps. On va prendre Roméo.
Lancez 20 au maximum au sol. Ok, et on va faire la before take-off. Checklist au point d'attente. Et je vais répondre à vos questions pendant ce temps. RIP, oui, bye. Donc, QNH 1007, on est d'accord. Donc, vent, on a dit du. On a dit du 210 degrés à 12 nœuds. Hein. Tire un peu là. 27 nœuds, j'aimerais pas arriver aussi vite. Je vais laisser l'avion rouler tranquille. Donc il n'y a pas de zone de contrôle, c'est l'Unicom direct. D'accord. Ouais, c'est l'Unicom direct et il y a Marseille Contrôle qui est ouvert sur 126.150. C'est le nouveau directeur de la VAD France qui va nous prendre en charge à Marseille. Donc sur le secteur de Lyon-Valence, si certains connaissent, Marseille Centre a ouvert. Ouais, je sais, j'ai vu. Je viens de le voir, ne t'inquiète pas. C'est pour ça que je roule doucement, parce que de toute façon, c'est 20 nœuds au sol, donc l'avion, faut le laisser rouler, tranquille. C'est 20 nœuds. Alors là, perte de nœuds, on accélère un tout petit peu, on va mettre un tout petit peu plus de gaz. Voilà. Moi, pendant ce temps, je vais surtout me mettre sur l'Unicom. Voilà, 122.8. Togo Traffic Speed 1787, taxi to the runway 26 right via Romeo Tango. Non, l'Unicom c'est 122.8, hein. Pas 140.8, ça n'existe pas. 122.8. Là maintenant, pour être visible au contrôle aérien, je me mets en mode Charlie. Faut toujours être prêt à l'avance, hein, sur de gros événements. Ça change pas les masses. Alors, il y a un avion qui vient d'atterrir, mais le Air France 688, je me demande ce qu'il fait, parce que c'est... Alors, je vais regarder parce que généralement il y en a qui trollent, mais atterrir sur la 08 gauche pour l'axe 26 droite, normalement est formellement interdit et c'est souvent les pistes opposées. Alors, je vais regarder parce qu'il y a souvent des trollers qui font ça. On va aller voir, on va aller jeter un petit coup d'œil parce que sur l'application on a le nom Kevin LFPG, d'accord. De Gaulle Traffic, speedboard 1787, on roule Romeo, Tango, piste 26 droite. La France 688 en fréquence. La France 688 en fréquence. Air France 688, De Gaulle. Air France 688, vous me recevez? Air France 688, De Gaulle. Enfin, lui, il lui fait chier, lui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Gars, va pas commencer à faire de la merde sur De Gaulle alors que normalement t'as pas le droit d'y être. C'est pour ça que tu t'étais trop préparé. Ouais, ça arrive à De Gaulle, ça change tout le temps. Malheureusement, les vents changent très très rapidement sur De Gaulle, Roissy. Before takeoff checklist, engine start switch continue, flight control c'est fait, le transpondeur c'est fait.
Des flaps green light, on est d'accord. Extérieur light, as required. Auto thrusters armé, oui. Weather radar is on checked. On va prendre Tango 11, c'est droite. Et je vais annoncer mes intentions, je vais rentrer sur la piste. Donc au trafic, speeder 1787, on rentre 26 droite, on s'aligne, on décolle. Ouais, c'est la bonne. Il fait quoi lui à traverser les axes lui? Mais c'est un fou lui. C'est un fou lui. On runway 2-6 right. 2-6 right, c'est la bonne. Take off pour 7. Eighty knots. Checked. V1. Dates. Positive claims, gear up. Flaps 1. Flaps up. Autopilot on. Checked. To break off. After takeoff checklist, engine bleed sur on, les packs auto positive différence. Alors. Ok. Bah, quand t'es en France, tu parles français généralement, Emirates 424, mais c'est pas très grave en soi. Oui, 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 là je suis d'accord. Et bah, je suis parfaitement d'accord. Ensuite, engine start as required, flaps up et no light, je suis d'accord. Et landing gear up and off, on est d'accord. Altimeter set QNH 1013. On va attendre de passer 10,000. Line up and take off runway 26 right, Air France 25 km. Pay doesn't. Je vais éteindre mes runway turn off, j'en ai plus besoin jusqu'à maintenant. La qualité de ton F est très basse, on voit rien, ça bug tout le temps et c'est que du 1 FPS. Non, c'est pas du 1 FPS, non, 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 non. Pas en français sur une icône quand non, quand t'es en France, quand t'es en France, t'es obligé de parler français, c'est tout. Tu peux parler anglais comme français, comme on te semble, mais généralement c'est français quand t'es sur le territoire français. Sur une icône 10,000, on va se mettre en condition standard et on va se mettre. Voilà, en landing gear, on va se mettre sur le œuf et 737, on ne démarre pas les deux moteurs en même temps. Bah oui, mais d'accord, mais quand t'es pressé, généralement, garçon. Là, j'éteins les lumières. Je vais allumer mes deux lumières principaux. Voilà. 11,000.
Donc là, on va filer au niveau pair, 3-3-0, 3-3-0 ou 3-7-0. Collègue Alexis qui maintenant nous gère, puisque nous sommes partis donc de Marseille Contrôle, et donc maintenant c'est Alexis qui nous gère gentiment face à notre arrivée donc à Nice. C'est lui seul qui est maintenant en charge donc de notre avion. Donc on nous a demandé de réduire considérablement la vitesse, donc c'est ce qu'on fait. Et je vais lui demander si possible si j'ai toujours un speed restriction. Nice approche de speed bar 1787. Il s'approche. Vous me confirmez, j'ai toujours la restriction de vitesse imposée par Marseille? Affirmatif. Ok, reçu, merci. Il s'approche au smart bord 066. Donc, je vous explique un peu le truc, on arrive sur Nice. Dans 1787, direct à gauche, direct Bilbao. Ouais, c'est ce que j'avais prévu. À gauche, direct Bilbao, speedboard 1787. Après c'est tout à la visuelle. Flaps 10. Et donc là on approche donc via Bisbo, d'accord, donc on a mis Flaps 10. Et on se retrouve donc quant à nous à l'approche finale. Allez, nous voici donc à Nice, ça y est. Nice Tour, bonsoir Speedbird 1787. Speedbird 1787, Nice Tour, bonsoir, numéro 2 derrière un léger, allez, continue à approche piste 04 gauche. On continue à approche 04 gauche, merci. Speed 1787, Speed 1787, vitesse minimum d'approche, s'il te plaît. Vitesse minimum d'approche, merci. VPA 26, Bravo Bravo, full line of another 4 and wait. Line of the end, wait, 0 and 0 for 5. VPA 26, in cross runway 0 for left. VPA 26, setting a mic, cross runway 0 for left. Copier les yeux à rouler en général générale à rappeler pour quitter. Bonjour, c'est bien France, nous allons nous jeter dans la vitesse initiale 13 et 18. Nous sécurisons le 1-3-0. François, vous avez deux contacts à la croix 134-4-5. Salut avec le frère, roulons via uniforme jusqu'au parking aviation général. Approaching minimums? One hundred.
Landing. Reverseur. Diesel. Clear take off on Radio 4 right. Spider 1787 04 gauche dégagé. Spider 1787 contacté Nice seul 121 décibels, c'est à moi. Allez, avec le sol 121-7, merci, bonne soirée. Hop, voilà, on a une APU. Nice, bonsoir, Speedbird 1787 avec vous. Speedbird 1787, Nice, bonsoir monsieur, bienvenue à Nice. Roulez terminal 1, porte 8 Charlie, via Golf et Tango. Alors, terminal 1 via uniforme et Charlie, c'est reçu. Uniforme Foxtrot, c'est pas possible ? Négatif, uniforme Foxtrot n'est pas possible puisque j'ai un avion en repoussage. Donc, Golf et Tango. Ok, pas de soucis, merci. All station, I will back in 1 minute. Uniforme Golf. Alors j'ai pas Tango par contre. Uniforme Golf, ce serait mieux. Alors uniforme Golf. Ah, uniforme Golf est là. Alors uniforme Foxtrot. Pourtant Foxtrot c'est prochaine. Parce que Delta, au pire, alors attends, ça se déroule comment là, là-bas ? Lui il est comment ? Lui il est parqué. lui il est parqué. Alors lui il est parqué. Uniforme. J'aimerais prendre Foxtrot parce que j'ai passé Golf. Attends, il est comment lui ? Lui, il a pas demandé, lui j'en ai plus, ben je vais prendre la première sortie droite. Hein. Attends, 8 alpha. Bah mais 8 alpha elle était là-bas. Bah je vais me mettre en 14 hein. Il n'a pas donné la bonne. Ouais d'accord en fait, mais il y en avait déjà un garé. Donc je vais me mettre un peu plus loin. Je vais lui indiquer me mettre en 14. Et puis comme ça. Il n'y aura pas de problème. Je vais m'éloigner des autres. Pour pas gêner. PNC, dernier virage, merci. Austrian 426, request correction, request taxi. Austrian 426, taxi holding point Charlie 1, runway 04 left via Tango Charlie.
Waypoint Charlie 1, North Runway 0 for left via Tango Charlie, Austrian 46. Speed de l'heure de 1787, vous avez passé la porte, prenez la porte prochaine à droite, 14 Echo. Ouais, effectivement, j'allais vous rappeler parce que là on est sur la 14, effectivement. Allez, j'éteins les feux. Et le frein de parc, s'il te plaît. La PU bien allumée, oui. Hop. Hop, je vais prévenir la tour qu'on est arrivé. Hop, hop. Les moteurs sur off. Super de 10 à 87, vous pouvez quitter ma fréquence. Bonne soirée, au revoir. Merci, très bonne soirée, au revoir, bon week-end. Oui, c'est ça, le 9700 Fatima, au parking du Fort Mongeau. 9700 Fatima, Nice. Et voilà, c'est sur ce vol à Nice que s'arrête cet event. Donc merci à tous, effectivement, j'ai essayé donc de faire... Salut à Black Wolf. Alors j'ai essayé effectivement de faire comme je pouvais. Sur YouTube, c'était juste une grosse galère. Donc voilà, donc vous aurez donc le replay pour ceux qui ne l'auront pas vu. Vous aurez le replay en temps et en heure d'ici cette nuit. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Une RNP 04 Alpha très très bien via Bisbo. En fait, c'est pas compliqué en soi. En soi, faut connaître, faut avoir les cartes parce que si on n'a pas les cartes, on est juste perdu. Donc voilà, sur ce, cet event en direct s'arrête là. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Salut tout le monde et rendez-vous dans un prochain épisode. Salut, ciao.